j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour un cake de matcha citron vert gingembre. Comme ingrédient, il va nous falloir 150 g de sucre en poudre, 300 g de farine, 150 ml de lait tiède, 150 ml d'huile, 4 œufs, une demi-cuillère à café de gingembre frais que j'ai râpé, un citron vert, zeste plus jus, 18 g de levure chimique, 50 g de beurre, et une cuillère à café de thé matcha et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je mets mes œufs, mon sucre dans mon robot et une fois que mon mélange double de volume, regardez, comme moi, voilà, comme ceci, on va venir ajouter l'huile et ensuite on va ajouter notre lait tiède et on va mélanger le tout. Je viens ajouter mon lait, mon gingembre, mon zeste de citron vert plus jus. Je mélange ma levure avec la farine et j'ajoute ma farine au fur et à mesure, à petite vitesse, hein. Voilà, comme ceci. J'ajoute aussi ma cuillère de thé matcha. Voilà. Et je vais venir faire fondre mon beurre et je vais l'ajouter à la fin avec une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc voici ma pâte une fois que j'ai incorporé toute ma farine. Donc je viens ajouter mon beurre fondu et je vais venir aussi ajouter ma cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et en même temps, je voulais vous préciser cette base de cake, c'est à garder parce que vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez faire un cake fruits confits, noisettes, tout, mais vraiment tout, hein. Donc, à vos goûts. Et en même temps, je voulais vous dire que la base, elle est vraiment top. Et testez-la, vous verrez par vous-même. Je pense une fois testée, vous allez la. Je viens transvider ma pâte dans mon moule qui est beurré et fariné. Et on va enfourner notre cake à 160 degrés pour une durée de 40 à 45 minutes à chaleur tournante. Tout dépend de votre four. Donc voici mon cake à la sortie du four. Vous pouvez faire un sirop de citron et l'imbiber avec. Donc voilà.